Bon, Thomas, tu vas bien? Ça va? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Tu as besoin d'un coach? Parce qu'en fait, j'ai tendance à mettre beaucoup de pression au quotidien. J'ai le sentiment que. J'ai le sentiment que mon métier est tellement important ici que si je suis pas là, l'entreprise peut pas fonctionner. Quelle entreprise? Pas Amazon? Amazon? Tu penses que tu es important pour Amazon? Oui. J'y vais direct, hein. Pour moi, t'as la grosse tête. Donc on va commencer par dégonfler tout ça, parce qu'une grosse tête sur un corps d'enfant, c'est pas joli. Alors, c'est quoi ton petit travail ici? Bah, je réponds à des commentaires sur Internet. Répondre à des commentaires, c'est un travail? Bah oui. Non. Forgeron, c'est un travail. Boucher, c'est un travail. Charcutier, c'est un travail. Répondre à des petits commentaires, c'est pas un travail, Thomas. Bah si. Ben non. Ah si, quand même, si. Ben non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Bah si. Non. Et on arrête. On arrête là. Je suis pas venu ici pour me prendre des coups de pression, hein. Donc tu redescends d'un étage. Compris, j'ai compris. Ah oui, si Stéphane, j'ai un commentaire de Arwen que j'ai pas compris. Du coup, vous pouvez peut-être y répondre. C'est en dessous d'un post sur la série Salade grecque. Arwen qui dit nul, encore une série propagande, c'est lassant. Ouais, non, mais je vois ce qu'il veut dire, oui. Par rapport à la salade grecque, oui, je pense qu'il fait référence au lobby de la feta. La feta? Je vois ce qu'il veut dire, j'ai vu un reportage sur ça. Le puissant lobby de la feta. Énorme. Énorme. T'as déjà mangé de la feta? Ouais. Ok. C'est puissant. Tout le monde a déjà mangé de la feta. Ouais, c'est un commentaire donc, qui est en dessous de l'annonce de toutes les sorties du mois de juin. Et on a Fromage qui est en dessous, nous dit bien nul, vivement le retour de The Boys, parce que là, rien justifie un abo. Un abo. Un abonnement. Un abonnement, pardon. Les jeunes parlent comme ça des Ok. fois. Ouais. Bon, le commentaire est pas très agréable, hein? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, de la colère, là. T'es en colère, là? Oui, je suis en colère. Je suis en colère. Bah, je suis en colère! Fromage. Plus. Je suis en colère, fromage! Plus. Fromage, je suis en colère! Fromage, je vais péter un plomb! Fromage, je vais venir chez toi, je vais trouver ton adresse, je vais tout cramer, fromage! Oh, fromage, je prends, j'éclate, fromage, je scie en deux, fromage, moi! Moi, j'ai fiché client, hein! Je trouve son adresse, je l'éclate, hein! Ok, là. Et je t'éclate aussi, toi, hein! Thomas, ok, là tu t'es un petit peu trop galvanisé, hein? Ok. Le fromage. C'est bien, Thomas. Excellent ce que tu viens de faire, là. Excellent. Je sais pas. Danseur de capoeira, ça aussi c'est un métier. Glacier, il y en a beaucoup en été, quand il fait chaud. La glace. Allez, on va travailler un petit peu sur ton. Sur ta colère. Tu me fais confiance? Voilà, c'est important. Hein. Allez, on se disperse là. Pas moi, non? Je l'espère pas. Si. On met ton bouton. Un peu de tenue, hein. Un peu de tenue. Pardon. Il faut se mettre en colère. Donc je veux démarrer les gens maintenant tous les jours. Quand je te dis démarrer, tu me le démarres. Et t'y vas, d'accord? D'accord. Démarre-moi. Là, comme ça? Démarre-moi. Vas-y, démarre-moi. Plus. Plus, tu me démarres pas là. On se connaît à peine. Non, démarre-moi. Pardon. Attention quand même, hein. Attention. Tu te lèves. Voix grave. Ouais, alors rien justifie un abonnement. Fromage. Je peux faire le point-pied? Le point-pied, j'ai appris ça. High kick, middle kick, bull kick, tu peux y aller. Je suis en colère, fromage! Ah. Et tu t'assois. Non, 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 par contre, ne montre pas que tu as mal. Ne montre pas. Ah. Ça va? Je suis encore plus en colère, là. Professeur d'art plastique, ça, c'est un métier. Le plus vieux métier du monde. Gynécologue, ça, c'est un métier. Ah ouais. Ah ouais.
Bon, Julius Bénédicte qui nous dit « Arrêtez de produire des films de merde comme Meudelin. Jamais vu un film aussi laid, mal réalisé, mal joué. » Tu vois ce à quoi j'ai à faire toute la journée ? De la violence, de la violence, de la violence. Tu comprends pourquoi je deviens violent comme ça derrière ? Ben oui, je comprends. Ça fait peur. Hein. Qu'est-ce que t'as envie de faire à ce mec-là ? C'est quoi son prénom déjà ? C'est Julius Bénédicte. Si jamais qui sait pas où il en est. C'est Julius ou c'est Bénédicte ? Tout est dit. Quand on sait pas comment on s'appelle, on la ramène pas. On ferme la boîte à camembert. Là, je pense qu'on l'a bien. On l'a mouché. On l'a mouché. On fait un duo de choc, hein. Ah, ah. Besties. Je me suis emballé. Un peu trop. Cite-moi un métier. Contrôleur aérien. Ça, c'est un métier. Un autre. Bouliste. Bouliste, c'est un loisir. Donc ça y est, là, tu commences à déraper. Hop, on se recentre. Oui. Hein ? Répondre à des commentaires ? Pas un métier. Pas un métier. On est bon ? Merci Stéphane. Ne me remercie pas. Bah, pas merci alors. Tout simplement. Je suis pas là pour être flatté, moi. Donc tu redescends d'un étage. D'accord. Tes coups de pression, tu te les gardes, je te l'ai dit tout à l'heure. Vas-y. C'est trois fois, hein. Bon bah voilà, je crois que le coaching a été efficace. Donc si vous voulez que je réponde encore plus efficacement à vos questions, n'hésitez pas à en poser toujours plus sur les réseaux sociaux de Prime Video. Allez, à bientôt, en vous souhaitant